même le sol face au soleil. J'ai travaillé depuis, même pas d'économie. Seigneur Jésus. Elle a perdu son mari et ils ont tout arraché entre ses mains. Oh. Ils ont tout arraché, ils ont vidé ses enfants. Pratiquement, la famille du monsieur, ils ont tout pris. Okay. Et elle s'est retrouvée premièrement dans cette maison qui est ici. Celle-ci, elle dormait avec ses enfants, ses petits-enfants. Et c'est dans cette même maison que sa fille. Elle dormait ici. Oui, oui. Non, tu l'as connue, c'est voilà. Ici. Non, c'est, elle a déménagé, mais ça ne fait pas trois mois. Donc, c'est ici sa donc, ça ne fait pas trois mois que tu dormais dans ça. Oui. Rentrez. La présente. Rentrez. Donc, c'est notre maman là, c'est ici, elle dormait. Ça fait seulement trois mois qu'elle a déménagé. Elle est à côté, dans une autre maison, mais en bois aussi. Mais sinon, c'est ici, elle dormait. Regardez le parterre. Tout est cassé. Trois mois. Si je l'ai connu. Non, le cercle de ce mois. Ça fait quelques jours, maman. Quelques semaines. Ah, c'est même pas trois mois. Le 5 de ce mois que tu as quitté ici. Oh. Et vous dormez par terre. Ceci, c'est de prière. Oh. Moi-même, je venais souvent la voir, mais j'avais tellement mal que je ne venais pas régulièrement. Non. Donc, c'est elle a son fils qui est agent de sécurité. C'est lui maintenant qui a cotisé un peu pour monter l'autre pièce qui est dure. Voilà. Et c'est pas vraiment pas facile. Elle aussi, elle était parmi ceux qui avaient reçu le don. Voilà. C'est une femme aussi qui a un bon cœur. Malgré mon état, vraiment, elle est toujours à l'église. Elle aime le Seigneur. Malgré ça, elle ne s'est pas plainte du Seigneur pour ce qu'elle croit. Jamais de problème. Elle s'est accrochée au Seigneur. Un moment, elle était malade. La tension, elle avait tellement monté. Oui, mais parce qu'elle pense beaucoup. Voilà. Et elle vivait avec combien de personnes? Elle vivait avec ses deux enfants, et plus son petit-fils. Sa fille, ils étaient trois. Une fille, deux garçons, plus le bébé. Maintenant, la fille est décédée ici. Oh. Et puis, il est resté les deux garçons. Les deux garçons. Voilà, c'est eux qui essaient de se battre pour soulever le besoin vraiment de leur maman. J'avais dit à... Avant la quand on va le t'avoir ce texte. Quand était venu le docteur à cause de ça? Si, si. Ok. Donc, comment tu t'es senti le samedi? Maman, viens par là. Comment? Maman, viens par là. Viens par là à côté de la présence. Viens par là. La caméra là. C'est ça qu'il avait dit. C'est comme elle est venue sur elle-là. Parce qu'il y avait une joie. Comme le Seigneur est passé par nous, c'est Dieu qui est venu sur terre. Oui. Donc, tu étais dans la joie. Oui. Tu étais contente. Et, bah, tu t'es senti vraiment aimée. Tout ça. Parce qu'on sait que quand c'est comme ça, là, si tu vis dans ces conditions, c'est parce que il n'y a personne pour s'occuper de toi. Donc, au moins, tu as senti des personnes, une équipe, des enfants de Dieu qui était prêt pour vraiment t'écouter, savoir comment tu vis et tout ça. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Je sais que Dieu va faire encore. On va tout faire. Ta maison, tu l'as fait à combien? Ça va 8 000. Par mois. 8 000 par mois. 8 livres. Elle paye la maison à 8 livres par mois. Elle dort dans la salle avec tous ses enfants. 8 livres par mois. Ça là, c'est un truc qu'on peut payer pour un an même d'avance. Et puis elle est tranquille. Hein? Dieu te bénisse. Je sais que Dieu va faire, il est vivant. Allez-y. Dieu, il est le mari de la veuve. Pas pleurer, maman. Dieu va t'occuper de toi, ok? De la même manière qu'on est venu, fais attention. De la même manière qu'il a dirigé nos pas. On ne pouvait pas savoir qu'il y avait quelque chose pour entrer ici. Il a dirigé nos pas jusqu'ici. Il a fait.
Où est-ce que je vivais? Non, est-ce que ma femme est en temps? Il faut finalement se poser une chute. Lui-même, il était à la cérémonie. Avec sa grande mère. Voilà, il a eu le sac. À quoi le sac là, c'est provenait le sac. Ah, le sac, le don de sac, le kit qu'il a eu, il se promène avec ça. Et puis voilà encore. Oh, tellement il est content. Le sac seulement l'a fait sourire. C'est bien. C'est bien. Donc je lui mets et puis se promène dans ça. Oui, c'est des dames. Oh. Alors, c'est le sang qui est là. Attends, il y a un sac qui est couché en dos. Ah, il a mis le sac même sur le lit. Tellement qu'il aime ça. C'est précieux pour lui. La grand-mère dit que il dort même avec son sac. Le sac qu'il a reçu. Le seul sac qu'il a reçu à la cérémonie. Vraiment. Donc fais sourire un enfant. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Vraiment, faites parler votre cœur. Je vous en supplie. Donc, c'est la nouvelle maison. De là-bas, ils ont déménagé ici. Ouais, on va expliquer. C'est précisément dans le même coin. Dans la même cour. Mmh. C'est pour le même monsieur. C'est pour le même monsieur. Mais c'est le 5 que vous avez déménagé de là, voilà, du premier coin. Mmh. Pour venir ici. Mais quand c'est tombé là, il dit non, ça là c'est pas fini. Ah, c'est parce que c'était tombé, mais que vous êtes venu. Il faut expliquer, maman. Maman, vous expliquez. Donc, ça dit, mais tu n'as pas quitté un pas. Non, ça, c'est tombé, c'est ça, il dit bon, venez ici. Sinon, tu allais être encore là-bas. On était là-bas. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Mais vous n'avez pas de ventilateur. Il n'y a pas courant ici. Ah, il n'y a pas courant même. Vous dites que vous allez allumer le ventilateur. Il non, fait chaud. Non. Donc vous dormez dans la chaleur comme ça. Donc d'autres dorment au salon ici. Il y a d'autres qui dorment ici, par terre comme ça, comme là. Il fait chaud, c'est pour ça. Je suis pagne là. Il fait chaud, absolument. Et ça, c'est pour quelqu'un s'assoit sur ça. Ça, c'est quelque chose que vous asseyez dessus. C'est tabouret. Tabouret. Oui, la mousse même est calme. D'accord. On va revenir vers vous. Que maman, pas de soucis, merci beaucoup. Oh, t'as vu, dimanche, tu étais à l'église. Oui, voilà, elle était là avant, c'est là, il a dit à mon petit, il dit, va partir à sac là, il dit, papa, tu es sûr. Il dit, bon, il y a laissé ça. On est venu, il a vu, il allait à l'école là-bas. Il est assis devant la classe. Et donc, il a vu, il dit, voilà, ta fille qui est là-bas. Qui a donné sac là. Sac là, qui fait comme ça. Il dit, ah, ta fille arrive, après, il y a que les gens là. Ah, très bien pour la chaîne, elle arrive. Oh, et à quel âge? 4 ans. Il est étonné. Il ouvre ses vis. Il a 4 ans. Elle s'est occupée lorsqu'il était bébé. Lorsqu'il avait 9 mois. Sa maman est décédée. Il avait 9 mois, 10 mois. Et sa maman a marché. Et puis sa maman est décédée. Parade de mon mari, mais il y a un qui est venu. Le quartier sur le mec. Tiens. Explique pas. Mais bravo. Comment tu me sens? Ah, Seigneur Jésus. Je vais te donner cet enveloppe. Peu d'argent.
En attendant, on va prendre ça va, on veut dire. La maison, ça va bien. Vous aider. Je sais que Dieu va permettre. C'est pas vrai, c'est vrai. Si Dieu a permis qu'on vienne ici, là, c'est pas un hasard. Parce qu'on ne pourrait jamais imaginer qu'il y a des choses comme ça. Mais si Dieu a permis qu'on vienne ici, là, vraiment, il va se lever. Il ne faut plus pleurer. Hein? Il faut nous nettoyer tellement. Il ne faut plus pleurer. Tu dois être dans la joie. On est passé. À partir d'aujourd'hui, là, tu vas être dans la joie. Tu vas bien manger. On est là-bas, on va faire tout. Vous faites venir, vous t'entendez quelque chose. Hein? Le prophète va vous donner. On va lui envoyer et puis il va venir vous donner. Tu as compris? Dieu, parce que il est devenu mon père. Sur la terre, c'est lui que Dieu a donné mon père. Un père. Amen. Parce qu'il a bon cœur. Amen. C'est ça. Il a 10 ans, il est mon père. Oui, c'est le père que Dieu t'a donné. C'est lui que Dieu m'a donné. Amen. 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 Parce qu'il est bon. Moi aussi, il est donc comme ça, mais là, pourquoi? Moi, de ma fille qui s'est débrouillée. Et puis, qui est décédée. Ma femme est maladie, il est donc malade sur place. Maman, mais toi, t'es malade. Oui, je suis malade. Papa, qu'elle a si la femme est malade, je ne dors pas. Je suis malade. Maman, je bénis Dieu pour le jeu. Dieu va faire, maman. Dieu fera. On va pas te laisser comme ça. On va pas te laisser comme ça. Dieu fera. On va faire tout. Envoyer l'argent pour le loyer et puis pour la nourriture. Je veux tout. Oh, maman. Dieu te bénit. Non, faut plus pour le loyer. Ici, c'est quoi? C'est vos affaires. La cuisine. Vous cassez vos. Ok. D'accord, maman. Et puis, ma femme, elle dit qu'il s'est débrouillé. Donc, on peut aussi arrêter. On est couché là-bas. On prie. Faut te projeter un peu. Oui. Regarde le ciel sans nuage. Regarde la mer sans fond. Jésus, la terre sans sort. Seigneur Jésus. Ton sacrifice à la croix, tu l'as payé pour que je sois sauvé. Ton sang est versé pour me justifier. Cette lourde croix que tu as portée, c'est le poids de ma souffrance. Seigneur Jésus.